data, paix à moi, paix à mes descendants. Amen. Ne pas manquer à notre Dieu. Identité. Mettez la vie pour l'aventure au Bangogolo qui vient de nous quitter, qui est né le 22 mars 1958 à Ngandaponzi, paroisse de Matambengue, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dans le secteur de Tunisie, territoire de Lukula au Congo central. Fils de Joseph Ngubolombele et de Céline Kouelamabete, tous deux rappelés auprès du Père, il est le deuxième né d'une fratrie de 8, dont 3 garçons et 5 filles. Il vient donc de laisser 2 frères et 5 sœurs. Il a aussi eu des frères et des sœurs consanguins. Certains sont encore vivants et d'autres déjà décédés. Parcours scolaire. Études primaires, d'abord à l'école primaire Yens de Matambengue, de 1965 en 1969. Ensuite, à Mokotoba, toujours dans Matambengue, les années 1969-1970. Enfin, à Matambengue, école primaire garçon, de 1970 à 1972. École secondaire, au petit séminaire de Batakiela, de 1972 à 1968. Formation initiale en vue du sacerdoce. Études de philosophie, 3 ans. Au grand séminaire, d'abord à Matambengue, de 1978 en 1980. Puis à Boma Kikoko, l'année 1980-1981. Études de théologie, 5 ans, aux facultés catholiques de Kinshasa, à Pierre QCC, de 1981 à 1986, pour une licence. Les ordres sacrés. Le 18 mai 1986, ordonné diacre à Boma, Mama Yamzi. Le 10 août 1986, ordonné prêtre à Boma 2, Sacré-Cœur, avec comme devise l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Isaïe 61, 1a, Luc 4, 18a. Ministère exercé.
Année 1986-1987, directeur des études à l'Institut de Cannes et Sénat. De 1987 en 1993, recteur, alors premier recteur du séminaire politique fonctionnant jadis à Beaumont-Hiver et aujourd'hui implanté à Cannes. De 1993 en 2000, études doctorales en théologie à l'Académie Alphonsienne de Rome et en même temps professeur visiteur à l'Institut Pontifical Regina Mundi pendant 2 ans. Son champ de recherche scientifique, la théologie politique selon Jean-Marie Aubert, thèse soutenue à Rome en 2000. De 2000 à 2003, formateur et professeur résident au Grand Séminaire de Malidi, Saint-Robert de l'Armin, puis animateur spirituel de la même maison de formation de 2003 à 2005. De 2005 à 2014, recteur du Grand Séminaire à Vigny, Beaumont-Rigoureux. De 2014 à 2015, cette année-là, année sabbatique à la paroisse de Tango Sainte-Marie. De 2015 jusqu'à nos jours, donc à son décès, en juin 2024, de nouveau professeur résident et formateur au Grand Séminaire de Malidi, Saint-Robert de la Mer. Vie active et sociale. Monsieur l'abbé Bonaventure, plus appelé abbé Mouvolo, a été un chevronné de la formation des jeunes en vue du sacerdoce. On l'aura bien suivi dans son CV. Il a accompagné les scénaristes à tous les niveaux de la formation, sauf peut-être au petit séminaire. Il a été tour à tour à la politique, au philosophal et au théologal. Il a ainsi passé près de 30 ans dans la formation initiale. Ce qui fait qu'il a eu à former au moins la moitié du clergé diocésain de Beaumont, sans parler d'autres diocèses. Bon accompagnateur et proche des formés, gentil, communicatif et ouvert, humoriste et généreux, l'abbé Mouvolo portait le surnom de Nokobona de la part des séminaristes. Il avait une grande capacité d'adaptation à toutes les générations au sein du clergé. Son expérience dans l'enseignement, de l'accompagnement plutôt des séminaristes, a beaucoup fait parler de lui, tant au diocèse qu'ailleurs. Vraiment, Nokobona est une icône de la formation initiale en vue du sacerdoce pour notre diocèse en l'occurrence. Par ailleurs, soucieux de la formation de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse, Nokobona s'était adonné à l'amélioration des conditions d'études des jeunes écoliers de son coin natal à Yenji particulièrement, en construisant et en réfectionnant les salles de classe tout en les équipant grâce à l'aide des Allemands.
contexte du décès. Monsieur l'abbé, pour la lecture que nous ferons, connaissez les enjeux de santé liés à l'asthme et à l'hypertension artérielle. Il avait aussi développé une cardiopathie depuis plus d'une dizaine d'années. Il fréquentait pour cela les spécialistes de la matière et suivait le traitement. Le lundi 27 mai, il quitte Malindi pour Kinshasa dans le cadre de contrôle auprès de son médecin traitant. 4 jours après son arrivée à Kinshasa et après avoir suivi un traitement en ambulatoire, le bilan nécessitera une hospitalisation pour un suivi plus rapproché. Mais la situation ira de mal en pis. C'est compliquant des détresses respiratoires sévères, entraînant une oxygénodépendance. Malheureusement, nos pulmonaires ne résistera point. Il entrera dans la joie de son maître le mercredi 5 juin 2024 à 9h05 à la grande surprise de tous. C'était à la clinique Marie-Yvette à Kinshasa. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Que son âme repose en paix. M'entendez maintenant. Que tu Pesana kubondi na makiaji ya nzambi na banzimba na yonso ya pangi ya pito Mishu la bimbona vampiro Nina mekika betu Betu bokila Kristu Fumu ya makiaji Yani lebolo betu Na mulimu ya kiri Oh,
Sabe angolo yoso mona bitu kiadi yangi lengolo betu masumu pe yangi kumisa betu na luzingo kesu kakavi. Amen. Anzambi angolo yoso betu kebondi la kesa mna kisele yangi abe mon aventure mbumba mbuguru. Yina na zulu ya zola na yani na Kristo tambikaka luzingo nani nange awa nimebukila yandi sarati yandi ya gadala na kiese ya kireka ilumbo kekusa monana kembo yangi yandi kota pe na kembo kesu kakave. Sika mosi na mapangi ya beto yoso vikaka todo yae. Na Yesu Kristo mwana yange. Oh,
et de retourner définitivement au diocèse pour raison de santé. Indépendamment de sa volonté, et malgré tous les efforts, le surpoids de prédisposition héréditaire, mais confiait-il, l'épuisait énormément. J'ai accédé à sa requête et donné l'information au recteur de Maïdi et après au père évêque de la Septime. Il était donc question qu'il nous revienne à Boma à la fin de cette année académique. Hélas, il nous revient effectivement maintenant, voire plutôt que prévu, mais autrement, dans une bière, pour le dernier adieu. Oui, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Que sa volonté soit faite et son nom béni. Heureusement, sa parole est lumière et vie. Elle apporte réconfort et consolation dans les épreuves et tribulations. Saint Paul, dans la première lecture choisie pour ce requiem, nous exhorte à nous tourner vers le Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Puisque Bonaventure a enduré l'épreuve et est mort avec le Christ, nous le croyons et nous le proclamons. Avec lui aussi, il ressuscitera et vivra. Il obtiendra le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est une parole sûre, affirme saint Paul, car le Christ est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Il est le Dieu fidèle éternellement. Frères et sœurs, sûr de cette parole et fort de notre foi à la résurrection, puissions-nous essuyer les larmes de nos yeux et évoquer avec reconnaissance le pieux souvenir de l'abbé Bonaventure, dont la vie et le mystère étaient entièrement consacrés à la formation initiale du clergé. L'avons entendu, premier recteur du séminaire propédeutique de Boma, recteur du philosophat Abbé Ndidi de Boma pendant plusieurs années, et enfin professeur de morale sociale au Théologat de Maïdi. Il est mort comme il a vécu, tout dévoué à la formation et à l'accompagnement de futurs prêtres. Mission terminée, il n'a pas de dette. Il a corrigé ses examens, tous les mémoires. Puisse le Seigneur le lui rendre centuple et lui accorder le repos éternel, bien mérité, dirions-nous humainement pensant et parlant. Oui, car dans la foi, nous savons que nous ne sommes que de simples instruments dans les mains de Dieu pour l'accomplissement de son dessein d'amour et de salut pour l'humanité. L'abbé Bonaventure en était conscient, comme le révèle sa devise sacerdotale tirée de l'Évangile qui nous a été lu tantôt. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. En effet, habité, consacré, porté, poussé par l'Esprit de Dieu, l'abbé Bonaventure s'est consacré à la formation de jeunes dans les séminaires et à l'évangélisation des plus pauvres à travers la construction d'une école accessible aux démunis dans sa contrée natale. Les gens se souviendront de lui pour cette initiative et cette œuvre louable à entretenir, à continuer et à promouvoir. Nous nous souvenons aussi de Nobo Bona comme quelqu'un plein d'humour et bon compagnon. En effet, il savait détendre les esprits, égayer les gens et provoquer le rire. Personnellement, je le suivais de 2 ans au séminaire à Bémidi et j'ai été son collaborateur dans le même séminaire pendant 2 ans. Lui comme recteur et moi comme professeur, puis secrétaire académique. J'aimais bien le taquiner. Et comme il était humoriste, je voudrais ce soir, demain on fera bien l'adieu, aujourd'hui avec un peu d'humour, parler de lui. Permettez-moi de relater quelques anecdotes. En Guinée, à Bomaki-Koukou, il était chargé du moteur, groupe électrogène. Il était coiffeur. Très strict avec l'heure pour allumer et éteindre. Période d'examen, on veut 5 minutes. Non, à l'heure, il éteint. Et il était très jaloux de sa charge de coiffeur. Il ne supportait pas qu'on se passe de lui pour recourir à un coiffeur. Et je me souviens encore d'une scène à ce propos. Comment tu te permets d'aller trouver une autre personne? C'est mon travail! Pour dire ce détail et conscience de son travail. Il était le coiffeur, c'est auprès de lui que tout le monde devait aller au séminaire. Revenu des études comme professeur, j'étais assis en face de lui à table. Lorsqu'il prenait la liberté de manger à sa faim, puisque le corps réclamait, je le provoquais. Je disais à directeur, ce n'est pas bon, ce n'est pas pour ta santé. Il me rétorquait avec José, c'est bon. Tu sais, on meurt toujours de quelque chose. Laissez-moi manger. Mangeons, et nous mourrons ensuite. Toi aussi, malgré toutes les précautions, tu mourras. Une fois, en descendant en voiture de la montagne à Balima, je le croise sur une moto, en train de remonter ou crisper derrière, avec tout son poids. Son vêtu était tombé en panne. Bon. Il a fait semblant de ne pas me voir. À mon retour à table, il m'épiait du regard, pensant peut-être que j'allais dire quelque chose. En tout cas, il détournait le regard chaque fois que je le fixais. Mais moi, je disais moi. Attention, j'étais atteint. À la fin de la prière, alors que l'on quittait le réfectoire, je retins, j'étais atteint, les confrères dit, attendez, écoutez, tantôt, en descendant en ville, j'avais croisé quelqu'un sur une moto. Il ressemblait fort bien à la directeur.
Est-ce que je me suis trompé? N'était-ce qu'une illusion, un mirage? Alors le recteur me fusilla de regard menaçant, tandis que tout le monde éclatait de rire. C'était la vie au séminaire. Une autre fois, c'est lui-même qui racontait. On venait de lui voler un de ses 4 téléphones. Il en avait, hein, parce qu'il fallait avoir tous les réseaux. Bon. Alors il appelle au numéro dérobé par un autre téléphone. Quelqu'un prend et lui demande qui il est. Il était. Et lui furieux de rétorquer. Mais qui es-tu, toi, qui as mon téléphone à moi? Fais attention, je suis prêtre. Alors, le voleur de lui dire là, ah bon, Sango, ça me la prend à coup fin. Sur cette parole, le malfrat bloque le téléphone. L'abbé essaie de rappeler en vain. Puis, comme toujours, hein, il lâche un juron en dialecte soude. Bon, je ne voudrais pas répéter ça ici. Enfin, souvent, quand il marchait à pied le soir, l'après-midi, pour chercher à dégraisser un peu, mais enfin, ce n'était pas sa faute. Et que sur son chemin, il rencontrait et sautait une colonne de fourmis. Il revenait nous dire, mes amis, ça y est, quelque chose est tombé dans le compte à Saint-Anne. Demain, je vais appeler. Nous sommes sauvés. Et que l'on pourra faire préparer une bonne soupe. Attendez, vous verrez. Bon. Que d'anecdotes sur nos corbonas. Beaucoup d'entre vous en connaissent certainement. Pour paraphraser l'épilogue de l'évangile témoignage de Saint Jean, nous pourrions conclure. Il y a encore beaucoup d'autres blagues ou scènes d'humour que Nokobona a faites. Et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le Congo central entier ne suffirait pas pour contenir le livre qu'on écrirait ainsi. C'est vrai. Mais ce que nous retenons, c'est que l'abbé Bonaventure égayait les gens. Il décrispait les situations stressantes et semait la joie, la bonne ambiance en communauté. Et moi, comme je le connaissais, je le taquinais devant tout le monde. D'ailleurs, sa nièce qui enseigne ici, en sait beaucoup de choses. Vraiment, je l'embêtais. J'étais le recteur, mais enfin, c'était pour que, quoi. Alors, quand il en avait marre, il regardait, et puis, comme toujours, il tapait sur la table. Il dit, José, José, ça suffit. Frères et sœurs, nous gardons vivant dans nos cœurs le souvenir de l'abbé Bonaventure Mourourou. Et nous le recommandons à la miséricorde de Dieu par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint du Ciel, dans l'espérance de nous retrouver un jour dans la maison du Père Céleste. Oh, il n'y aura plus de tristesse, plus de douleur, ni de larmes, mais joie et paix. Éternel. Corale, les amis, vous parlez ça, Maza, la messe. Thank you.
Zika, avec Bona, Nobo Bona, attaque au Nyon, au Bénabé, Yabou Vambana. Et tout ça, là, ambiance de la pièce. La soukamisa, le Koundi d'Ayamou Mabou. Tant que Fénat a dit, Sikaïna, Yabou Kepelina. Yabou Koundi d'Ayamou Mabou. Amen. Yabou Koundi d'Ayamou Mabou. Amen. Thank you.
tangé qui tambo koyaye sam na lebele ya moi ya kisele yangé abé bon aventure bomba mbolo tuke bondi la zona yangé ani kwanda katadi na mwana yangé nokola kudi ya kufunuka mambote sala kibu ya yani kabila yangé nokola zuzi ina yani denda monina wonga vi na Yesu Kristu fumu ya peto Oh,
Santo Joseph, Bacana Nayandi, Nabapostolo,
Isiwe ya kiese isidorba kanza na marite makina na marite neka peita. Inabasantu yosu bakundi yangi. Kuna naluzimu ila ya kukunda nsuka. Betu kekuza jimbilaka. Betu kekuza sapu muna kangena sina ya Yesu Kristu. Mwana yangi ya luzondo. Mama poco na yangi.
Yeah.
Na sakramento ya nzutu pe ya menga na yangi mwana yange pesaka beto maja ina betu kele na ya ufono sama na nzila ina binata beto pene pene yangi ukarisi ya yai sanisa pange ya beto Monsieur l'abbé, bonne aventure, Mbumba Mbumbulu. La Kukumba, la Mesa. Message de condoléances à l'occasion du décès de l'abbé Bonaventure, Mbumba Mbumbulu, arraché à notre affection. D'abord, c'est un communiqué et il y a le message qui suit. Éminence, Excellence, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, cinq mots en cycle, à la profonde douleur de vous annoncer le décès de M. l'abbé Bonaventure Mbumba Mbumbulu, prêtre de Boma, décès survenu à la clinique Marie-Yvette à Kinshasa, ce mercredi 5 juin 2024. Le secrétariat général de la SECO présente ses condoléances chrétiennes à son Excellence Monseigneur José-Claude Bimibaba, évêque de Boma, au clergé diocésain, à la famille biologique du défunt et à toute l'église famille de Dieu qui est à Boma, en nous assurant de ses ferventes prières pour le repos éternel de l'âme du défunt. Veuillez agréer, Éminence Excellence, l'expression de nos sentiments respectueux et dévoués en notre Seigneur Jésus-Christ. Abbé Georges Kalega, deuxième secrétaire général adjoint de la SECO. Excellence, Monseigneur, par la présente, je viens vous exprimer les condoléances chrétiennes et le soutien de ma prière pour le décès de l'abbé Mbumbulu, prêtre de Boma et formateur au grand séminaire interdiocésain Saint-Robert de l'Armée de Maïdi. Une petite délégation de 4 prêtres des l'évêchés de Matadi s'est joint à vous pour les funérailles. Avec l'assurance de ma prière pour vous, pour le clergé diocésain de Boma et pour la famille biologique du défunt, et que Dieu lui accorde la récompense promise à ses enfants et pour l'œuvre des formations accomplies sur le parcours des candidats au sacerdoce. Que son âme repose en paix. Monseigneur André Giraud, Pili, évêque de Matadi. Excellence, chers frères, paix et bien. C'est avec consternation que j'ai appris le décès inopiné de M. l'abbé Bonaventure Mbumba Mbumbulu, prêtre diocésain de Boma et formateur au grand séminaire interdiocésain Saint-Robert de l'Armée de Mali. Je suis conscient du chagrin profond qui vous étreint
au souvenir de celui qui a formé nombreux de nos prêtres diocésains. Certes, il a tant compté pour nous et pour toute l'Église de Paris et Dieu de Beaumont en particulier. Permettez-moi de vous exprimer ici mes condoléances chrétiennes en partageant ces moments difficiles dans l'espérance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez, Excellence, chers frères, à mes sentiments de profonde sympathie et à mes prières pour trouver la force et le courage de traverser cette épreuve dans la foi. Monseigneur Jean-Christophe Kimbé, évêque des disciples. Bonsoir, Monseigneur. Nous venons d'apprendre la triste nouvelle du décès de l'abbé Bonaventure Mbumba-Mbulu, décès survenu à Kinshasa. Toute notre communauté éducative de Madidi vous présente ses sincères condoléances et prie pour le repos de son âme. Abbé Gilbert Thébo, recteur du Grand Seigneur de Haïti. Bonjour, Son Excellence. Les membres du gouvernement général et moi compatissons au décès de l'abbé Mbulu, un de vos prêtres du diocèse qui a beaucoup travaillé pour les jeunes en formation. Recevez nos condoléances sincères et union de prière. Sœur Brigitte Pembaloudi, supérieure générale des Sœurs Servantes des Pauvres. Au nom de la supérieure générale, une délégation des Sœurs Servantes de Marie de Beaumont est passée présenter les condoléances à Monseigneur l'évêque et à travers lui à tous les clergés de Beaumont frappés par la douleur de la disparition de la vie du Mbulu. Excellence, c'est avec douleur et peine d'amertume que je viens d'apprendre à partir des Suisses où je suis en mission religieuse, la mort inopinée de mon homonyme, M. l'abbé Bonaventure Mbumba-Mbulu, le grand patriarche de tous les consacrés de Batambé. Je présente finalement mes vives condoléances au clergé des Beaumont, à toute la famille biologique et à vous, le Père de notre diocèse. Que l'âme de l'Église disparue repose en paix et qu'elle intercède pour nous auprès du Seigneur. Frère Bonaventure Piguera, supérieur général des frères de Saint-Joseph, Beaumont. Merci. Excellences, Messieurs les évêques, révérends abbés, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs, toute la communauté diocésaine de Beaumont, chers amis et confrères séminaristes, pour ceux qui meurent dans le Seigneur, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. C'est par cette maxime théologique et liturgique que j'ai voulu commencer ces petits mots pour montrer le sens de la mort chrétienne. Par la foi du défunt et par celle de nous tous ici rassemblés, nous espérons que mourir
dans le Seigneur n'est pas la fin de tout, mais un passage vers une autre vie, une vie dans le délice du ciel. En effet, au nom de toute la communauté des séminaristes étudiants à Mahidi, je viens rendre ces derniers et vivement hommage au révérend Tabé Bonaventure Bumba Ngouvoul. Cher Abbé Bonaventure Bumba Ngouvoul, ta famille, tes amis, tes confrères prêtres, ta communauté diocésaine, tes étudiants, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt et bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute, en faisant le bien ici-bas. Pendant ton séjour sur cette terre, tu savais faire beaucoup avec si peu. Tu savais cultiver l'amour, l'amitié, la paix et la joie. Oublier l'ami fidèle et généreux, les confrères appréciés, le père attentionné, l'oncle aimant, le professeur et formateur formidable que tu as toujours été. Non, c'est impossible. Ta mémoire, cher Nokobona, sera gravé pour toujours dans nos cœurs. Tu laisses un grand vide derrière toi, et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que je présente les plus sincères condoléances à ta famille et à tous tes proches pour leur témoigner de notre soutien dans ces moments douloureux. Et pour mieux les surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ton sourire, de ton sens d'humour, de ta bonté, de ta bonne humeur et de ton éternel optimisme. Pour finir, je dirais que ton âme repose en paix, cher Nokobona. Tes séminaristes ne t'oublieront jamais. Fait abonnement le 12 juin 2024, Barnabé Mbaki, ma prodoyenne. Merci.
Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaire, émission, découverte, concert, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.